观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。中国汽车工业协会最新数据显示，2022年中国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%， 连续八年保持全球第一，市场规模全球领先，品牌竞争力大幅提升，配套环境日益优化。中国工信部相关负责人表示，当前中国新能源汽车已经进入全面市场化拓展，预计今年仍将保持较快增长态势。Pour célébrer le nouvel an chinois placé sous le signe du lapin cette année, IKEA, le numéro 1 du mobilier et de la décoration en France, propose sa nouvelle collection. Celle-ci s'inspire des motifs asiatiques et du signe du lapin, bien entendu. Le nom de cette collection, jugée sublime, s'appelle Warm Blixt, qui a la particularité d'être très lumineuse, le tout sous des tons de couleurs très rouges et une ambiance très zen. Parmi les objets proposés, on trouve par exemple des housses de coussins aux fleurs de cerisier et de belles lanternes rouges. À vous d'aller les découvrir sur place ou sur le site d'IKEA. 日前，中国文旅部宣布，在2月6日开始试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和机票加酒店业务。该消息发布之后，各大旅游平台出境跟团游搜索热度大涨。飞猪1月20日晚发布的数据显示，截至目前，33个国家及地区的出境旅游相关商品春节预订量同比增长超过一倍，其中泰国、马尔代夫、新西兰的预订量同比增长超过10倍。近一周，国际机票订单量同比去年增长超过3倍。Une nouvelle moins réjouissante à présent. Le trafic à la gare parisienne est interrompu mardi 24 janvier toute la journée jusqu'à la fin de service. En cause, un incendie volontaire sur des câbles électriques en Seine-et-Marne. C'est ce qu'on apprend de la SNCF et de la RATP. C'est un acte de malveillance qui est à l'origine de cette panne. Je regrette l'impact pour beaucoup de gens qui prennent les transports ce matin, a déclaré le ministre des Transports. Clément Bonne sur France Info. 综合法新社和欧洲新闻台报道，当地时间1月24日，芬兰外长佩卡哈维托斯表示，芬兰有必要考虑没有瑞典的情况下单独加入北约。不过，哈维托斯也表示，现在下结论还为时过早。土耳其总统埃尔多安23日表示，在上周末位于斯德哥尔摩土耳其驻瑞典大使馆附近发生包括焚烧《古兰经》在内的抗议活动之后，瑞典不应该指望土耳其支持其加入北约。Selon le ministère des Affaires étrangères, grâce à la pression des organisations humanitaires, la France a pu rapatrier mardi 24 janvier 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Quant aux adultes, ils ont été remis aux autorités judiciaires compétentes. 俄罗斯远东地区近日遭遇寒潮，部分地区大幅降温。据当地媒体报道，弗拉迪沃斯托克24日最低气温达到了-27.6摄氏度，突破了当地百年来同期气温最低纪录。Xavier Niel, le flamboyant actionnaire du Monde et le propriétaire de Nice Matin, a encore fait parler de lui. Il a déposé un dossier dans le cadre de l'appel à candidature de l'Arcom, l'ex-CSA, pour le renouvellement des fréquences de TF1 et M6. Au total, 3 candidats ont déposé leur dossier auprès de l'Arcom, les 2 autres étant CNews et C8. Mais un seul sera retenu. Affaire à suivre. 当地时间1月24日，乌克兰总统泽连斯基解除了总统办公室副主任季莫申科的职务。此前，泽连斯基曾表示，总统办公室副主任和副总检察长将会离开岗位。Avis aux automobilistes, les prix à la pompe tutoient à nouveau des sommets et s'approchent de la barre symbolique des 2 euros le litre. D'après les données du ministère de la Transition énergétique vendredi dernier, le litre de gazole coûtait en moyenne 1,9162 euros, en hausse de 3 centimes sur 7 jours.
当地时间1月23号，捷克常驻欧盟代表在社交媒体上发文称，当天的欧盟外长会就进一步向乌克兰提供5亿欧元援助和4500万欧元的军事训练经费达成一致。Selon RMC, hier lundi 23 janvier, Force ouvrière a rejoint CGT dans sa mobilisation contre la réforme des retraites. À eux deux, les syndicats ont obtenu près de 100% des voix aux dernières élections sur le secteur des remontées mécaniques. On a décidé d'appeler à la grève pendant les vacances de février, car les revendications seront mieux entendues lors de cette période, estime Force ouvrière.以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.